ne manquez plus aucune émission. Voilà. J'ai opté de faire le pilotage parce que c'était ma vocation. En tant que femme, je ne pouvais pas rester à la maison. Il n'y a pas de travail tabou. Je suis spécialisée sur Cessna 150 qui est l'avion de reconnaissance. Et j'ai opté pour le pilotage. D'abord, c'est un métier noble. Comme toute femme égale à l'homme, l'homme égal à la femme, capable de faire les métiers que l'homme exerce. Je me suis retrouvée dans ce domaine lors du recrutement des femmes à la force aérienne. Et je trouve que c'est un domaine qui me rend vraiment à l'aise. J'ai commencé cette formation à la base aérienne de Nouveau. Et nous sommes allés à Kamina, à l'école de pilotage avancé, EPA en sigle, pour parachever notre formation. J'ai effectué plusieurs missions à plusieurs destinations, à Ndolo Njili, Ndolo Kikwiti, Ndolo Bandundu. Et puis, quand nous sommes allés au sud du pays, vers Katanga, on avait fait Kamina Kolwezi, Kamina Lubumbashi. J'ai plusieurs heures sur cet avion. Je suis commandant sur l'avion Cessna 150, qui est l'avion de reconnaissance, et capable de voler d'autres engins selon la convention. Depuis que je suis pilote, ça fait pratiquement 18 ans. Oui, j'ai suivi d'autres spécialités ici au Congo, comme étant à l'étranger. Ici au Congo, à part le pilotage, j'ai fait la formation des langues à Emela. J'ai appris à parler l'anglais là-bas. J'ai fait deux fois Chine. Je suis allée à l'université d'ingénierie de l'armée de l'air en Chine pour aller faire commande à distance. Je peux prendre un exemple comme le drone. Après, je suis encore rentrée pour aller faire le commandement des équipements de navigation aérienne. Là, je me suis spécialisée sur l'antenne TACAN. On utilise ça dans des endroits où il n'y a pas le moyen de mettre des antennes. Alors, souvent, on utilise ça dans le porte-avions. Oui, je lance un appel patriotique à toutes les femmes du Congo de venir s'envoler dans l'armée au sein de la force aérienne pour travailler puis prendre les commandes. Ce n'est pas seulement le pilotage, il y a aussi d'autres métiers aéronautiques. Que les femmes puissent venir s'enrôler massivement. Venez intégrer la force aérienne. Venez, suivez-nous, vos aînés. Nous avons fait le pilotage. Ce n'est pas de la magie, c'est question de discipline. Et je sais que là où vous êtes encore capable. Essayez, venez, venez servir votre nation sous les drapeaux et vous ne serez pas déçus. Vous verrez combien vous êtes capable. Moi, en tant qu'officier supérieur des FARDC, je trouve ça absurde. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à cela parce que je suis l'exemple. Je suis ce que je suis parce que j'avais aimé. Je n'ai pas regardé de gauche à droite. Nous avons nos modèles à suivre. Dans l'armée, si tu veux être promouvoir, il ne faut pas toujours être derrière les hommes. Tu peux faire parce que nous avons aimé de faire ces métiers. C'est pour cela que nous sommes devenus capables de prendre la vie. Un homme est comme une femme. Une femme n'est comme personne qui laisse entendre toutes ces bêtises. Nous avons connu les injustices en nous traitant des êtres faibles de la part des hommes.
parce qu'ils se sentent trop complexés. À toutes les femmes de la République démocratique du Congo, à toutes les PMF que nous sommes, et vive les femmes pilotes de la force aérienne. Elles sont braves, courageuses, ces femmes qui s'engagent à servir sous les drapeaux. Dotées des aptitudes exceptionnelles et considérées comme de femmes de caractère, ces personnels militaires féminins, qui méritent d'être honorés au cours de ce mois de mars, mois dédié à la femme, ont préféré laisser leur famille dans différents coins et recoins de la République pour œuvrer au sein de l'armée. Aujourd'hui, la femme représente 2,5% au rang de FARDC. Un taux jugé faible, mais les autorités militaires multiplient les actions de sensibilisation pour l'adhésion de jeunes filles au sein de forces loyalistes. Pour la petite histoire, c'est à partir des années 70, précisément en 1976, que la femme a fait son apparition au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Jadis considérée par certains comme l'objet des plaisirs de chef, cette conception a totalement changé avec le temps. La femme a si montré de quoi elle est capable en gravissant les échelons par ses capacités intellectuelles et en effectuant naguère des tâches ou des spécialités de l'armée confiées jadis aux hommes. Actuellement, la femme occupe des postes de responsabilité au sein de FARDC. Parmi elles, nous pouvons citer la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Kaseou Symphorose, les commandants du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Monique, le commandant adjoint du corps logistique, le général des brigades Mbuyi Chivwadi Marie-José, la chef département training à l'état-major général, le général des brigades Chechi Maou Justine. À cela s'ajoutent les professeurs diplômés d'état-major Mbavu Blandine de l'école de commandement et d'état-major, le femme pilote, à l'instar du major Ngoilea et capitaine Issoumou Nadine, et enfin l'assistante à l'école des langues militaires dans le département langue chinoise, le lieutenant Gamba Cornélie. Cette liste n'est pas exhaustive. Dans les filières considérées auparavant purement masculines comme l'infanterie, le personnel militaire féminin y entre actuellement et réussissent. On peut retrouver des femmes à ciment de fonctions telles que chef team, chef de section, chef de peloton. Ceci dit, les militaires féminins ne sont pas seulement dans le bureau, elles sont présentes même en zone d'opération, à l'occurrence capitaine Philo Kenda, sergent Safi, sergent-major Ngalula Mireille, le caporal Mbombo Antoinette, sont là un exemple de femmes engagées aux opérations dans les secteurs opérationnels Soukola et Grand Nord. Moi, c'est capitaine Mwapé Philo, escadre à base de Béni, Grand Nord. La bande armée n'a pas depuis la Deuxième République, en 1994. Nous avons compté Jean, toujours centre de la mission Normanga. La salle logistique n'a qu'à base, c'est le QM RAF, les RAFTER. Il faut que nous n'a qu'à l'aéroport Yanjile, tant qu'il y a RAFTER. Mise en place et bien sûr qu'on change car le quoi sur tambour là car n'ayez quoi à peine. Ben étant autoyé, puis tu m'as macassé, tu coupes ta naguine en haut, zaki matata, zaki kimiatien, pour vendre
Parité, et loco pour défendre cause moko bo. Faut yo moko telema na makasi. Tant on ba parité, faut to telema pour to zo pe parité. Ezate ka na ba se a banzete, do parité 50% bo na bo simbate. Ngai ne na zaliawa, parité na ngana obunga ko na mboka. Tant to zo ba parité on a ba zo déclarer. Tant ba lobi to kota na front. Yo mama il faut kota na front. C'est ça parité, o to zo. Comment vous parlez au côté de la au sali et marche en arrière? Tous les cabissons sont tellement bons pour la boucle. Tant que vous avez dit maman, maman père tombe la kekolo, maman da tombe la kakita, pourquoi vous êtes au côté de la balle? Baninga basi bakomona biso basepela armée za kitoko baya ebele pour na tosale la gouvernement. Message ya bien na kopesa na bandeko na biso basiri. Mosala armée eza bien mais eza pona ba voyouté. Ils apprennent à indiscipliner parce que au moment qui m'a cambo ma belle salé million de oye coco tapo qui ne consacre la revanche et à la caté. Ma maman ou non va saluer bas au talent ou bas au monde en a partout dans la zone est dans la zone précisément la belle. Ce qui baligne la côte dans musala soda et ça m'a bêté. Bas côte à mon habit y a aussi un bok mais bas côte à mon habit mon consommateur. Elles sont par ailleurs à l'école de commandement et d'état-major, à l'école supérieure d'administration, à l'école des hautes études des stratégies et des défenses. La femme au sein de forces armées de la République démocratique du Congo suit un cursus normal. Elle passe au concours pour les recrutements et se classe à l'ordre utile avant d'être sélectionnée. Pendant la formation, elle est soumise aux mêmes épreuves que les hommes. Longtemps considérée comme symbole de faiblesse, malgré les difficultés rencontrées par certaines dans l'exercice de ces métiers nobles, la femme ne baisse pas le bras. Elle continue à faire des efforts pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation de personnes et de leurs biens.
ne manquez plus aucune émission. Voilà.